La Commission a salué le soutien politique du Royaume à la Palestine dans l'ensemble des forums internationaux. L'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour son offensive contre le peuple palestinien à Gaza et dans les territoires occupés. Riyad, jeudi, au Caire, la Commission palestinienne du Parlement arabe a tenu une réunion au cours de laquelle les participants ont passé en revue les moyens de soutenir le peuple de Gaza et la cause palestinienne. Cet événement était placé sous la présidence d'Adel Al-Azoumi. Assaf Ben Salem Abou Tounine, membre du Conseil saoudien de la Choura et du Parlement arabe, a salué les pays qui ont fourni une aide humanitaire en vue de soutenir les Palestiniens, rapporte l'agence de presse saoudienne. La commission a également souligné les efforts de l'Arabie saoudite, sous la direction du roi Salman et du prince héritier, Mohamed Ben Salman, pour soutenir la cause palestinienne et apporter une aide humanitaire à son peuple. Monsieur Abou Tounine a remercié l'Afrique du Sud de sa prise de position. Ce pays a en effet déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice pour son offensive contre le peuple palestinien à Gaza et dans les territoires occupés. Il a ajouté que le Parlement arabe envisage d'envoyer des messages au Parlement des pays qui ont soutenu la campagne israélienne afin de condamner leur prise de position et de les informer qu'ils sont désormais complices des agressions et des crimes d'Israël contre le peuple palestinien. Monsieur Abou Tounine a soutenu que les participants à la réunion sont convenus de remplacer le terme « force d'occupation » par « entité israélienne occupante » dans les communications officielles et les déclarations publiées par le Parlement arabe. L'Algérie œuvrera, durant son mandat au Conseil de sécurité, à défendre les causes justes et à établir les canaux de dialogue. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son discours, lu en son nom par le Premier ministre Nadir Larbaoui, aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés, MNA, et au 3e sommet du groupe des 77 plus Chine, qui se tiennent à Kampala, capitale de l'Ouganda. Durant son mandat, l'Algérie, se basant sur son parcours historique, ses valeurs établies et sa vision, tentera de renforcer l'action multilatérale internationale en tant que principe continental dans sa politique étrangère, donnant la priorité aux solutions pacifiques aux conflits plutôt qu'à la confrontation, et préfère s'attaquer aux causes profondes des conflits plutôt que de poursuivre l'approche visant à les contenir, ce qui a compliqué et retardé le chemin vers leur résolution, a souligné le président Tebboune. Le chef de l'État a ajouté que « l'Algérie joindra ses efforts à ceux des États membres du mouvement pour établir les canaux de dialogue et d'entente entre les différentes parties et le consensus nécessaire au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur les questions qui préoccupent le mouvement, pour une « meilleure efficacité des efforts internationaux » visant à prévenir l'éclatement des conflits et soutenir le rôle des organisations et groupements internationaux et régionaux dont le mouvement des non-alignés. Le président Tebboune a exprimé son aspiration à intensifier la coordination, la coopération et la solidarité entre ses États membres pour contribuer à façonner les caractéristiques d'un nouvel ordre international qui préserve les valeurs de l'humanité et se consacre aux principes et buts de la Charte des Nations Unies. Abordant la question palestinienne, le chef de l'État a réitéré le soutien de l'Algérie, avant d'appeler les pays participants à plaider collectivement en faveur de la cause palestinienne et à demander des comptes à l'occupant pour ses crimes odieux. Dans son intervention, le président Tebboune a qualifié les « exactions de l'entité sioniste dans la bande de Gaza » de « génocide », tout en dénonçant « les pratiques inhumaines des soldats d'occupation commises contre le peuple palestinien sans défense ». Le massacre de femmes, d'enfants et de nourrissons est un exemple clair de l'échec de la communauté internationale à imposer ses résolutions loin de toute politique de deux poids, deux mesures. Renouvelant l'engagement de l'Algérie en faveur des principes fondateurs du mouvement fondé sur les valeurs de justice, le respect de la légitimité internationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, le président Tebboune a souligné que « les fondements et principes du mouvement des non-alignés nous imposent à être solidaires de la cause sahraoui et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ». Visiblement, le sélectionneur burkinabé, Hubert Velu, appréhende l'attaquant de l'équipe d'Algérie, Youssef Belaïli. Il l'a affiché clairement lors de la conférence de presse d'avant-match. Le match de demain, qui opposera la sélection nationale au Burkina Faso, sera particulier pour le sélectionneur burkinabé, Hubert Velu, et l'attaquant de l'équipe d'Algérie, Youssef Belaïli. En effet, les deux hommes vont se retrouver de nouveau après de longues années, et ce, après leur passage à l'USM Alger lors de la saison 2014-2015. Visiblement, le technicien français appréhende beaucoup l'attaquant des Verts, lui qui connaît bien le potentiel du joueur. Comme vous le savez, j'ai déjà côtoyé Youssef il y a quelques années lorsque j'entraînais l'USM Alger. Je suis content de le retrouver à l'occasion du match de demain. C'est un bon garçon adorable. Aussi,
je connais l'énorme potentiel dont il jouit. Et pour preuve, il est la force de frappe de l'équipe d'Algérie. J'espère qu'il ne sera pas méchant avec moi demain, rire, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match. Velu parle d'un match particulier. En parlant du match de demain, le sélectionneur burkinabé affirme que son équipe est déterminée de gagner. On va aborder le match avec un seul mot d'ordre, gagner. Notre mission s'annonce difficile, on sait ça très bien. Mais on est déterminé à relever le défi et valider ainsi notre billet qualificatif pour le prochain tour de la compétition. Et d'ajouter, j'ai une idée sur cette équipe d'Algérie qui joue de la même tactique depuis plusieurs années. Je pense que le match s'annonce difficile pour les deux équipes. Mais on est prêt pour la bataille. Si le match de demain sera particulier pour l'entraîneur français de 64 ans, c'est aussi parce qu'il a un fort lien avec l'Algérie. En effet, il a beaucoup exercé dans notre pays après avoir entraîné l'ESS, l'USMA et la JSK. Je dois un grand respect à l'Algérie et au peuple algérien car j'ai beaucoup exercé dans ce pays. C'est donc tout à fait logique que le match de demain sera particulier pour moi. Mais je mettrai les sentiments de côté. Je resterai concentré sur le match car seule la victoire qui m'importe demain. S'est-il exprimé. Mieux vaut tard que jamais. Le journaliste franco-marocain Rachif Mbarki est enfin passé aux aveux, à la suite de sa garde à vue. Mais il ne l'a pas fait de gaieté de cœur, ou parce qu'il regrette ses gravissimes actes passés. Les officiers enquêteurs, en effet, ont trouvé sur son téléphone son numéro de RIB bancaire au Maroc avec plusieurs transferts d'argent importants effectués dessus. Il y est question de sommes régulières de 20 000 euros versées sur son compte. En échange, il doit dire, Sahara marocain, à chaque fois qu'il évoque le sujet du Sahara occidental, dont les populations colonisées, opprimées et pillées par le Maroc, se battent pour leur indépendance et leur droit à l'autodétermination depuis la tristement célèbre marche verte de 1975. Le journal Le Parisien rapporte ainsi que Rachid Mbarki a reconnu avoir été payé pour diffuser les sujets orientés dans ses journaux sur BFM TV. Il m'est arrivé de recevoir des sommes d'argent. Oui, je reconnais les faits de corruption passive. Ces aveux tardifs contredisent foncièrement tout ce que ce journaliste franco-marocain soutenait depuis l'éclatement du scandale BFM TV. Pour rappel, mis en examen le 19 décembre dernier pour les soupçons d'ingérence et de manipulation de la chaîne BFM TV, Rachid Mbarki s'est installé ces derniers mois au Maroc tel que rapporté par nous il y a de cela plusieurs semaines. Avec l'argent sale de la corruption, il a même ouvert au Maroc avec sa femme une boîte de consulting, pour espérer échapper aux griffes de la justice française. Des liens étroits et évidents existent entre le scandale BFM TV et les précédentes affaires Crinel, éclatées auparavant. Il s'agit, d'abord, de l'affaire liée au logiciel espion Pegasus. Celui-ci, payé par les dirigeants émiratis pour plusieurs millions de dollars auprès des fournisseurs israéliens, a été offert gracieusement aux diplomates et espions marocains. Bon nombre de journalistes, d'avocats et de militants sahraouis, algériens, français et espagnols en ont été victimes. Ce scandale a été suivi de près par le Maroc Gate, dans lequel des dizaines de millions d'euros ont été dépensés en liquide et en cadeaux somptueux pour acheter les votes et les consciences de plusieurs eurodéputés afin d'influencer les votes et les positions du Parlement européen dès lors qu'il s'agit de l'occupation illégale du Sahara occidental, et du respect des droits de l'homme. Preuve en est que les diplomates et les services secrets marocains recourent systématiquement au chantage et à la corruption pour atteindre leurs objectifs. Il en va ainsi, par exemple, de l'anecdotique élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui constitue en soi un détestable anachronisme, et un inacceptable inversement des valeurs morales et juridiques.